Maintenant, si tu veux exporter ou sauvegarder ce graphique, tu peux appuyer sur sauvegarder. Et là, ça va sauvegarder si tu mets ton compte de Google. Et tu nommes le graphique, graphique de transformer. Tu peux nommer ce que tu veux. Sauvegarder. Et ça va sauvegarder dans ton compte de GeoGebra qui est dans ton Google. Alors, si je vais ici à ouvrir, les graphiques que je viens de tracer sont là. Tu as aussi accès à toutes sortes d'autres choses qui ont été tracées par d'autres personnes dans le Google App. Mais mon fichier est ici, je peux l'afficher, je peux l'éditer en cliquant sur éditer et le document s'ouvrira. Je peux aussi l'exporter comme un PNG. Et maintenant, elle s'affichera ici, puis si j'aimerais l'ouvrir, je pourrais l'ouvrir ici, et elle est maintenant une image. Je peux coller ce document dans un document Word, je peux le sauvegarder dans mon Google Drive si j'aimerais, et ça, c'est comment tu pourras partager l'image de ton graphique assez facilement à travers l'app de GeoGebra.